On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, on part à la découverte du artbook numéro 2 de One Piece, Color Walk 2, sorti depuis un moment. Allez, c'est parti, partons à la découverte de cet artbook numéro 2, le devant, le derrière. Vous pouvez retrouver le artbook version japonais sur le site JapanDWorld. Hop! Cette fois, on a le royaume d'Alabasta. Je vais essayer de faire ça proprement. Le royaume de Drum. Arriver. Little Garden, Whiskey Peak, La Boone. Donc, vous voyez un peu la carte du monde. Et de l'autre côté, hop, ça donne ça. Allez, je remonte le livre. On est pour 30 secondes. Voilà, il est remonté. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir un peu. Si je dis pas de bêtises, c'est dans un opening cette image-là. Je sais plus lequel, mais je suis sûr d'avoir vu dans un opening. Allez. C'est parti, donc là, ça date normalement le début. Enfin, l'île des hommes-poissons, ouais. Ça en jette, hein. Encore un Luffy bien badass. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça, avec le serpent? Bon coq. Même si le serpent est pas comme ça. Donc, Whiskey Peak, Alabasta, Little Garden, Mr. 3. Des croquis. Voilà, avec leur nom de code et leur partenaire. Hop, encore une interview. Cette fois, je le connais pas, le monsieur. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo de découverte de l'artbook 2 version japonaise vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à voir plein d'autres vidéos, encore 4 artbooks sur The One Piece, enfin 4, même 5 avec le dernier qui doit sortir au Japon en septembre. En espérant que cette vidéo vous plaira. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Même si je l'ai déjà dit, c'est très important. Un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. De voir que le travail est soutenu.
et qui vous plaît surtout, c'est le principal. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye, vive One Piece et vive les mangas!